Bonjour frère et soeur, bienvenue sur Sorbonne. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On entend beaucoup parler d'empoisonnement dans certains pays africains. Et beaucoup de personnes lient cet empoisonnement-là à la jalousie. Quand vous quittez l'Europe et que vous venez en Afrique, on dit que vous êtes un bengis. Les gens ont les yeux sur vous. Et certains même osent faire la sorcellerie sur vous. Quand ils échouent, c'est l'empoisonnement. L'année dernière, par exemple, on a vu ce monsieur qui est apparu sur les réseaux sociaux. On nous a dit que le monsieur est arrivé au pays et c'était la fête. La fête pour fêter son retour. Et quelque temps après, on nous a annoncé son décès. Beaucoup de personnes pensent qu'il a été empoisonné. Face à ça, c'est une femme que vous voyez l'écran veut nous donner quelque chose, des conseils. Pour éviter le désastre, toutes les vilaines choses, la jalousie, en fait, elle a des choses à nous dire. Écoutons-la. Si vous êtes aventurier, vous vivez à l'étranger, vous êtes le seul à savoir ce que vous endurez étant ici. Vous êtes le seul à connaître les sacrifices que vous faites pour pouvoir arrondir vos fins du mois. Les gens qui sont au pays, ils ne le savent pas. Ils se disent que étant à l'étranger, ça veut dire qu'on est forcément bien. Ça crée de la jalousie et de la frustration chez les plus faibles d'esprit. Le jour où vous rentrez au pays, ne faites confiance à personne. Prenez souvent l'habitude d'acheter les petits packs d'eau quand vous voulez boire de l'eau, les petites bouteilles. Vous les videz et vous les jetez. Si vous partez au bar, buvez que des trucs en canette ou en bouteille. C'est vous-même qui ouvrez. Les gens sont mauvais. Il paraît qu'ils sont même en contact avec les serveuses et les barman de certains bars. Toi, tu arrives, tu crois que la personne ne te connaît pas, alors que ton ennemi est passé bien avant pour lui dire que je viendrai avec quelqu'un. Quand tu vas ouvrir, il faut mettre. Protégeons-nous, mes chéris. Le monde devient méchant. Si vous êtes à... Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Protégeons-nous. Le monde devient vraiment méchant. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Je vous laisse bien écouter ça encore. Si vous êtes aventurier, vous vivez à l'étranger, vous êtes le seul à savoir ce que vous endurez étant ici. Vous êtes le seul à connaître les sacrifices que vous faites pour pouvoir arrondir vos fins du mois. Les gens qui sont au pays, ils ne le savent pas. Ils se disent que étant à l'étranger, ça veut dire qu'on est forcément bien. Ça crée de la jalousie et de la frustration chez les plus faibles d'esprit. Le jour où vous rentrez au pays, ne faites confiance à personne. Prenez souvent l'habitude d'acheter les petits packs d'eau quand vous voulez boire de l'eau, les petites bouteilles. Vous les videz et vous les jetez. Si vous partez au bar, buvez que des trucs en canette ou en bouteille. C'est vous-même qui ouvrez. Les gens sont mauvais. Il paraît qu'ils sont même en contact avec les serveuses et les barman de certains bars. Toi, tu arrives, tu crois que la personne ne te connaît pas, alors que ton ennemi est passé bien avant pour lui dire que je viendrai avec quelqu'un. Quand tu vas ouvrir, il faut mettre. Protégeons-nous, mes chéris. Le monde devient méchant. Bien. Qu'en pensez-vous de ce qu'elle a dit? Qu'en pensez-vous? Mais les choses qui m'intéressent surtout ici, la partie où elle nous a dit que souvent ces gens-là sont en contact avec les barman et d'avance, ils passent là et ils leur disent de mettre quelque chose dans le verre, quoi, pour vous éliminer. Est-ce que ça là, c'est de la blague? Est-ce que ça peut vraiment se faire? En tout cas, moi, je vais vous dire oui. Et c'est la chose la plus facile qui puisse exister. C'est la chose la plus simple qui puisse exister. C'est une manière pour nous de vous dire ceci. Vos ennemis, ils sont si nombreux que vous ne pouvez pas tous le compter. Et ceux qui cherchent à vous faire du mal, ils sont plus nombreux que ce que vous-même vous imaginez. Et quand ils viennent pour attaquer quelqu'un, ils attaquent cette personne-là en groupe. Et oui, c'est comme une star. Vous voyez les stars là, non? Quand une personne est célèbre. Toutes les filles courent après cette personne. Et que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que le long du chemin, cette star-là peut rencontrer plus de 10 filles. L'une seule
peut rencontrer plus de défis. À cause de quoi? À cause du fait que son étoile brille. À cause du fait que c'est une star. Une personne à succès. C'est la même chose que dans la sorcellerie. Quand vous quittez en Europe et que vous venez en Afrique, les sorciers se disent que le fait qu'ils vous aient laissé aller en Europe, c'est déjà l'échec pour eux. Donc ils chercheront à se venger. Juste comme ça, hein. Pour rien, juste comme ça, juste comme ça. Ils sont très bêtes dans la tête. Maintenant que vous êtes venu, ils vont commencer à faire des coupes. Ils vont dire, bon, comme on entend beaucoup parler d'empoisonnement ces temps-ci, on va lui tendre un piège par là. Et ils vont rentrer en contact avec un membre du staff du bar, mais qui fait partie du club des sorciers. C'est-à-dire que ce complot-là va commencer depuis la nuit dans le monde des ténèbres. Et il faut préparer cela une semaine avant votre venue. Parce que le sorcier, avant de tuer quelqu'un, il ne le tue pas la personne tout de suite. Hein. Il prépare cela plusieurs jours, plusieurs fois, plusieurs mois avant la mort effective. Et si le barman là donne accès à ce complot, s'il permet cela, c'est parce que lui-même, c'est un sorcier. Et ils sont tous sur l'affaire. Oui, ils sont tous sur l'affaire. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, vous devez faire attention et vous méfier de tout le monde. Vous devez faire attention à ce que vous buvez et éviter de fréquenter certains endroits. Les marquis et le bois de nuit. Ce sont généralement des endroits où on peut vraiment faire facilement de mauvaises choses. Oui. Et même quand les démons quittent le monde des ténèbres, ils viennent dans les marquis et le bois de nuit. Parce que là-bas même là, quand tu entres, souvent, on ne te demande pas qui tu es, quel est ton nom, qu'est-ce que tu es venu faire ici, qu'est-ce que tu cherches. Si vous avez remarqué que vous avez trop d'ennemis et que vous êtes trop combattu, même dans vos rêves, méfiez-vous maintenant physiquement par rapport à ce que vous buvez, par rapport à qui vous rencontrez et même qui vous faites entrer chez vous. Qui vous faites entrer dans votre vie. Parce que vous ne savez même pas d'où va vous venir le problème. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi, mais vous n'imaginez pas combien de fois ces gens ont souffert avant d'y arriver. Ceux qui ont travaillé pour que vous souffrez comme ça, ils n'ont pas abandonné, ils n'abandonneront jamais l'affaire tant que vous n'êtes pas mort. Donc, dès que vous arrivez en Europe, dès que vous arrivez et que vous commencez à réussir, s'il vous plaît, gardez votre succès là et votre joie pour vous seul. Ne dites pas aux gens qui sont en Afrique. Si ces gens-là ne pourront rien vous faire pour vous. Si tu as un ami en Afrique qui t'a donné de l'argent pour que tu voyages, que tu fasses ce que tu as fait et que tu as réussi, tu peux te souvenir de lui. Tu peux te souvenir de lui. Tu vas lui dire, vraiment, tu m'as aidé, voici ta récompense. Mais là encore, il faut être vigilant. Parce que l'homme change à tout moment. L'esprit de la jalousie peut entrer dans lui pour dire que, ah, moi je voulais qu'il échoue à ce voyage, mais il a quand même été. Mais pourquoi est-ce qu'il a réussi? Il est devenu plus puissant que moi. Là, la jalousie peut venir. C'est pourquoi il va vous demander d'être toujours vigilant et de ne faire confiance en personne. N'ayez confiance en personne. Personne sur cette terre, je vous assure. Ils sont tous des faux types. Des faux types. Moi, à cause de ça, il y a certains endroits que je ne fréquente pas. Hein. Je ne fréquente pas certains endroits. Même les hôtels, je n'aime pas. Non, je n'aime pas. S'asseoir dehors, boire, non, je n'aime pas. Choisir un groupe et boire, je n'aime plus. Avant, j'aimais bien ça parce que j'aime l'homme. Mais ce que l'homme m'a fait, quand je finis de voir ça, il dit, je préfère être seul dans mon coin. En tout cas, si vous voulez vivre sur cette terre longtemps, il va falloir respecter certaines choses, éviter certaines personnes. Si vous réussissez, vous allez vivre tranquille. On dit que les gens les plus gentils meurent vite. On dit que ce sont eux qui meurent. Non. Mes frères et sœurs, la gentillesse, c'est bien. Avoir un bon cœur, c'est très bon. Mais rendez à chacun selon ses œuvres.
Sinon, hein, votre gentillesse-là, les ennemis vont utiliser votre gentillesse contre vous-même. Oui, ce que vous allez dire, ce sont ces gens-là qui tenteront de vous enfoncer. Quand ils vous parlent de ça, mais ça me donne la chair de poule. Ça me donne la chair de poule. Hey! L'homme est mauvais. Je demande au prochain niveau.